I won't. You got it, Captain. Leave them to me. Allez, allez! Allez, attaque spéciale! Ça y est, je les ai eus, enfin! Enfin, je les ai eus, j'ai eu peur. Du coup... Là, c'est reparti pour fouiller tout le monde. Ce qui est chiant, c'est que leur vie elle se régénère pas toute seule, c'est moi qui dois les soigner avec mes kits. Ils sont plus nombreux que tout à l'heure. Merci Stiggy. Tout à l'heure c'était juste des chiens qu'il y avait ici. Yes, c'est parfait tout ça, j'ai réussi à m'en sortir du coup. Peut-être que leur vie elle se soigne toute seule en fait. J'ai pas fait gaffe. Ouais, elle se soigne toute seule. Oh, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. J'avais pas fait gaffe du coup. Vu que je suis déjà... Pas moi. Eux. Il y en a un qui est mort. Après, il y a le deuxième qui est mort. J'ai dû recharger la partie. Ah, c'est ça l'inconvénient de... De ce mode de jeu, mais bon. On fait avec. On vit avec. On mange avec, on dort avec, on fait tout avec la supernova. Là ils étaient 4 ou 3, donc pareil, là je vais m'efforcer. Je l'avais pas vu tout. De les attaquer comme un gros chacal. Et de prendre leur capacité. Mais non! C'est pas sur lui que je voulais que t'attaques. Ah, je veux que tu assommes eux. Allez là-bas. Allez tout là-bas. C'est un ordre. Yes. Ça y est, vous avez vos compétences spéciales. Allez, bim. Toi, tu vas attaquer celui-là. Ok, tu vas pas mourir. Je te soigne. Oh, mon cœur, il arrête de se battre. À chaque fois, je vois leur vie descendre à une de ces vitesses. C'est hallucinant. Ouais, du coup, je récupère tout ça. Il n'y avait pas d'autres coffres. Je re-rentre dans la grotte que j'avais trouvée tout à l'heure. Faut que j'améliore leurs équipements, mais je peux pas. Parce que si j'améliore leur équipement, j'aurai plus de sous pour acheter le pass. Ça m'embête un peu, ça. Donc là, je fais des économies. Faut jouer prudence. Faut se la jouer prudence.
Allez, on va aller faire la mission enfin. Avant de faire la mission, je vais faire quand même un point de sauvegarde automatique. On sait jamais. J'ai pas envie de mourir et de recommencer. Imaginez aussi que j'ai une coupure de courant. Ce qui peut arriver. Je ne tiens pas à recommencer. Donc, on fait notre petite sauvegarde, notre petite technique de save auto. Hop, voilà, une sauvegarde auto qui a été faite. Deuxième sauvegarde auto. On n'est jamais trop prudent. Là. La deuxième sauvegarde auto. Quand on change de zone, une petite sauvegarde auto en mode supernova, c'est pas piqué des hannetons, hein. Surtout que si on meurt, bah je serai pas obligé de recommencer 20 minutes de game. Allez, allons-y. Droit à la mission. Là-bas, j'étais déjà allé, je pense. Il y a un point d'intérêt, donc ça veut dire que j'étais déjà allé. Ici, je suis jamais allé, mais il y a une sentinelle automécanique. Voyons voir au loin qu'est-ce qu'il y a. Il y a des cadavres. Il y a un cadavre. Petite zone à fouiller, ça. Eh ben, ça c'est un travail pour qui? Tac! Pour les capacités spéciales de nos compagnons. Comment il l'a mis à terre! Allez, deuxième capacité spéciale. On va les utiliser en même temps. Tep 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 vous. Hey revenez, revenez, revenez. Bande de tarés que vous êtes. Revenez. Elle est pas à l'attaque tout de suite. Oh, on se calme. Je sais que je vous ai mis en mode agressif, mais quand. Bon, va fais ton attaque spéciale parce que toi je vois que tu vas mourir. C'est réveillé. Deuxième attaque spéciale. Allez, on lui pique tout ça. Un petit peu de vie. On ramasse tout ce qu'on peut ramasser. On fait. Ah, il y a un petit chemin qui monte là-bas. Donc je pense que dans les collines, il y a une grotte ou une connerie comme ça. Oh. Ok, on va faire le pâté de maison du coup, donc. Qu'est-ce que j'avais dit? Des cadavres. Des cadavres froids. Qui fument. Moi, je ramasse tout, hein, je suis un vrai. Ça leur sert plus, donc. Autant que ça me serve moi, hein. Ça te sert plus. Mais il y en a jusqu'où les cadavres? Il manque la tête. Tout à l'heure, je vais être trop lourd tout à l'heure. Je suis à 137 sur 160. Putain, à force de tout leur prendre. J'ai envie de faire un truc. Oh, c'est nul, je pensais que ça allait tout exploser. Allez, faisons le tour de notre bâtiment. C'est l'inspection du bâtiment. Putain, je savais bien qu'il allait y avoir un truc là derrière le bâtiment. Pourquoi tu me dis chute? Toi chute, toi chute d'abord. C'est moi ton capitaine, bordel. Inspectons la partie basse avant d'aller en haut. Encombrement. Ce poids total s'affiche en haut à gauche du registre.
En haut à gauche. Je suis à 152. Non. Ah ouais, je continue à apprendre. Ah mais si... eh, mais non. Ça risque de me fatiguer plus vite qu'autre chose. Alors, armure 26, 26, niveau 11, 26, parade, fortifié. C'est des armures lourdes, ça. Soldat d'élite, soldat d'élite, soldat d'élite, gardien. Ah, elle est moche, en fait, l'armure. Ah, celle-là est déjà plus classe. Bah, c'est un peu la même que j'ai. C'est juste les épaulettes qui changent, mince. Ouais, juste les épaulettes qui changent, mais elle est stylée, je trouve. Moi, je préfère la mienne quand même. Wow, celle-là elle est encore plus stylée, on dirait un gros méca lourd. Vingt-deux, vingt-neuf. Attends, ils sont où, mes alliés? Ils ont quoi comme armure? Armure 21. Ça c'est du 20. Oh, 26 en armure, 26. Tenez. Voilà. Oh, t'es stylé là-dedans. Ma cocotte. Vous serez déjà un peu plus solide avant de mourir. Toi, c'est combien en armure 27? Toi, par contre, tu peux garder ton armure. Sauf ce que je vous ai donné, c'est déjà un peu plus léger que... Ah, je suis à 162 sur 140. Parce que je dois avoir soif ou faim. C'est quoi? Il n'y a pas vraiment... Allez, on va... Boire et manger. Je sais pas quoi... Quoi démanteler du coup? Vu que j'ai beaucoup. Putain mais je fais que de la merde. Ah, voilà. J'ai ramassé trop de cochonneries. Et vraiment, j'ai ramassé vraiment trop de cochonneries. Donc on va démanteler des armes que j'ai en double. Tant pis. J'ai trop de cochonneries sur moi. Mais c'est ça qui doit peser le plus de poids. Poids 5, poids 5, 5, 1, 3, 5. Carrément, les armes de corps à corps pèsent plus lourd qu'une arme. Une arme comme ça. Canon électrique. Ça, c'est un canon. Je crois que j'ai déjà un canon. Mitrailleuse lourde. Allez, je démantèle. Ça aussi, j'ai en double. Ah, le marteau, je l'avais en double, j'avais même pas vu. Je crois que le pistolet, j'ai déjà le V2, mais bon, je suis pas très sûr. Ah, je suis déjà plus léger là. Ah non, même pas, 145. Je suis toujours trop lourd. Ouah. Ça se trouve, c'est les munitions qui me... Non. Alors, c'est les armures. Poids 15. Poids 15. 5. 5. Le casque. Ah, les armures, ça pèse lourd. Faut que je les vende. Ah, bon, tant pis. J'en ai combien d'élites? Et là, on fait partie au pire. Ah non, évoluer défensif. Bon, bah. J'en démantèle une, du coup. Je vais peut-être en démanteler une deuxième. Est-ce que je leur en ai donné une chacun? Non, le viscère, il a la sienne. Ah. Ça m'embête. Bon bah. Point 5. Point... Elle est où la point 15? Celle-là. Attends, je vais la mettre pour voir. Ah, mais c'est celle que je veux. Celle que j'aimerais avoir. Ah, elle est tellement badass. Poids 15, niveau 8. Là, je vais la. Je vais garder la mienne du coup. Et je vais démolir celle-là. Je suis à poids 25. Ça sera déjà mieux. Oh, le dilemme. T'es beau gosse, toi. T'es belle gosse plutôt. On dirait que c'est elle la femme et c'est toi l'homme. Mais c'est l'inverse. Oh. Allez, je crochete. Je sais pas pourquoi ça fait une petite musique. Du coup, avant de rentrer dans le bâtiment, même si je suis à côté.
Venez, 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 venez. J'étais pas prêt à ce que je vois des gens. Revenez, revenez. J'étais pas prêt du tout là. Vigie des maraudeurs. Il y a un méca bricolé. Meneur de maraudeurs. Je crois qu'ils sont que 3. Allez, on peut gérer à 3. On peut gérer. S'ils sont que 3, on gère. Sinon. Lui, ça va être un niveau facile à tuer. Lui, moins. On va attendre qu'il se rapproche. Attaque spéciale! Bon, on les a tous eus. Oh, j'ai retenu mon souffle. C'est pour ça que je parlais plus. Ah, mais là, il y a tellement de choses à récupérer. Il est où l'autre? Ah, il est là. Je crois que je vais retourner en ville. Je vais vendre des objets. Ou les foutre dans un container. Et revenir un peu plus tard. Parce que sinon, si je continue mes quêtes, je risque d'être un petit peu trop lourd. Tu vois combien? 142 sur 160. Là, je comprends pas, là, je retrouve de la force. C'est bizarre, je comprends pas tout. Il a un objet, quelque chose de spécifique. Et là, ça s'est mis à 142 sur... Hein, je pense que c'est la boisson ou peut-être un truc comme ça qui me fait en sorte que... Et je sais pas. Ah oui, je voulais aller voir en haut. Mais je pense que je vais retourner en ville vendre. Ou aller au vaisseau. Transition vers le labo. Ok. C'est vraiment une transition. Donc je pense qu'il y a des méchants dedans. Et j'ai vraiment... Faut que je passe de niveau. Faut que j'augmente ma force. Ma force ou mon sac à dos, peu importe, mais faut que je fasse quelque chose. Je suis en surpoids! Je pense que j'ai 140 kilos sur le cul. Oula, il y a du méchant. Oh, une machine pour vendre. Bon, avant d'aller tuer quoi que ce soit en tant que méchant, déjà ça j'achète. C'est quoi ça? Ça sert kit brutalité. Ça j'achète. Merci pour Spark. Et maintenant, je vais vendre. Allez, on vend le rebut. Ça nous fait déjà du poids. Et toute boisson alcoolisée. Lance-flamme. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà en double? Bah, tout ça là. Ça, j'ai en double. Le lance-flamme, je crois que j'en ai déjà un. La mitrailleuse lourde, j'en ai déjà une. Le fusil, j'en ai déjà un. Ça, tout ça, je suis pas sûr, donc je les garde. En armure. Ça dégage.
C'est moche. Ça dégage. Armure de soldat d'élite, armure défensive de rap et de gardien. La nourriture. Après tout ça, ça prend du poids aussi, hein. Nourriture aussi, elle prend du poids. Pas beaucoup, mais ça en prend. Une belle tranche de frais viande santé. Base à l'alimentation. Alors, qu'est-ce qui peut être négatif pour moi? Avant, j'avais pas tous ces problèmes de. Mais là, je ramasse vraiment tout. Ça, j'ai jamais j'utiliserai, donc ça dégage. Ça, je sais pas, un briquet tout simple. Ça, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas à quoi ça peut me servir parce que c'est dans mes trucs qui peuvent être utiles. Du coup, bah, je crois que j'ai vendu pas mal de choses. Ça leur sert à rien, donc je récupère. Je pense qu'il va y avoir de la bagarre. Ah, on va continuer. Ouh, il y a plein de choses intéressantes à récupérer. Donc avant de partir, je vais tout vendre. Wow. Vas-y, finissez-les. Oui, tout le monde va bien. Hop, tu es né poussière. Tu mourras poussière. Ah, faut tout récupérer. Non, avant d'ouvrir la porte, on va continuer à fouiller la réserve. Je trouve ils sont en haut en fait, tout simplement. Donc il y en a un en bas. Deux en bas. C'est juste immense. Compte rendu d'expérience. Très bien. Un petit casque, ça me fait une armure complète à vendre. Ça, il y en a partout. J'ai plus de trucs comme ça que l'autre chose là. On va voir ce qui se passe là, à travers les carreaux. Ah, c'est des monstres. Il y a plus de monstres que de
Je crois qu'il y en a trois et des trucs partout. Là, il y a des robots. Et il y a des monstres. Venez, venez, venez. J'ai une petite idée, j'ai une petite idée. Ce qu'on va faire, déjà vous, vous n'avez pas engagé les combats. Ça va attendre ici. Je vais ouvrir les portes. Hey, capacité spéciale. Mais je croyais qu'il était mort, lui! Putain, elle est encore morte. Ah, j'avais bien planifié mon coup et elle est morte. Elle est morte parce que l'autre, il a pas voulu mourir. Allez, Zibirdi. Avant de tout fouiller, on va aller faire du ménage. Allez, meurs! Allez, voilà, comme ça. Et petite attaque comme ça. Ah, je vois pas la vie du robot. Allez. Allez, on carotte tout ce qu'ils ont sur eux. Tenue, équipement. On leur prend vraiment tout. On fouille toute la pièce, du coup. Oh! Un coffre accroché. Accrocheté. Ça va servir à plus personne tout ça de toute manière. Autant tout récupérer. Et tout revendre juste après. Tac. J'ai l'impression qu'il y a comme eu. Ah non, c'était un coffre. Je pensais que c'était une porte, mais en fait, c'est un coffre. Ici, j'ai tout récupéré. Ah, un petit coffre. Un petit crochet pour crocheter. Hop, des trucs à récupérer. Au moins, j'ai tout récupéré ce qui était là. J'ai fait le tour.
pistolet, un scientifique qui est décédé. Tiens, fais ta capacité spéciale, moi j'adore quand tu fais ta capacité spéciale. Voilà. Allez, pareil, on récupère tout, je suis un peu lourd, hein. On va prendre un petit peu de spray. Et on va aller tout vendre. Là, je suis en surcharge totale, surpoids carrément. Donc, je pense que je vais aller vendre des armures, plein de choses. Parce que là, pour le combat, ça va pas être facile. Oh, je sais même pas si je peux récupérer le corps qui est là. Oh! Pouvez. Ah, toi j'ai pas. Voilà, un casque à vendre. Un distributeur. Ah, je l'avais même pas découvert. Alors que j'étais passé à côté. On récupère tout. Alors, avant de tout vendre et de re-récupérer pour revendre. Autant tout récupérer, tout ce qui est à cet étage avant d'aller tuer les ennemis. Voilà, poussez-vous. Tantite, Colt, on va récupérer tout ce qui est par terre, carte d'accès, munitions. Belle. Casier, armure de soldat d'élite, une cartouche, une petite boisson, ça, et on va pirater gentiment. Tout ça, voilà, maintenant on va vendre notre barda. Donc ça c'est pour acheter. Moi je vais acheter ça. Et je vais acheter ça. Maintenant ce que je vais te vendre. Or, des armes. Déjà je vais te vendre ça. 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 La lame, je te la vends. Le pistolet. Ah là je peux équiper trois choses. Celui-là je te le vends. Le fusil. Je te le vends. Ce fusil là je te le vends. Le marteau, je te le vends. Le lance-flamme, la mitrailleuse, je te le vends. Ce fusil-là, je te le vends. Et normalement, le reste, je garde pour mettre dans mon casier personnel. Ça. C'est quoi? Armure de poids moyen. Bon, à basse pression de fortune. Alors. Je te vends ça, je te vends ça. Ça je la garde, le casque je le garde parce que c'est un casque rare. Ah oh, un casque je peux mettre 4 choses. Ou pas, non, je peux rien mettre. Ça je le vends. Ça je garde, j'aime bien ce casque. Soldat défensive. D'élite 26. D'élite 26. Je vends l'élite. Je vends le casque. Je garde le reste. Là-dedans, qu'est-ce que je peux vendre? De la boisson illégale. Le tabac. Estimation. C'est du moins 50%, non. Ah j'ai vu du 50%, c'est des cigarettes. Non, ça c'est de la nicotine. Non, alcool. Ça non. Ça non. Tout ce qui est en point négatif, on vend. En plus, ça nous fera un peu de place dans l'inventaire. Plus 15, plus 15, plus 50, plus. Avec que du plus ça, les trucs nasaux. Jamais je les utiliserai.
Là-dedans je garde, là-dedans je garde, et là j'ai déjà tout vendu. Maintenant, allons voir l'armure à quoi elle ressemble. Ah, c'est ça comme armure, soldat d'élite. Armure de soldat de base. Ouais, bof. Je préfère cette armure-là. Il y a celle-là qui est moche. Je vais la revendre en fait. Celle-là, je vais la vendre. La vendre, j'aime pas, elle est moche. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. Ça, elle est magnifique. Et celle aussi. Le casque, il ressemble à quoi? C'est stylé. Je préfère ces casques qui sont plus jolis. En fait, je veux le même, mais avec une visière plus style or. Les unités de commandement d'élite des corporations. Donc, c'est laquelle que je voulais vendre? Celle-là, la gardien et la soldat standard. Alors, gardien. Et celle-là, voilà. Le reste, je garde. Maintenant, on peut aller jeter un œil en haut. Non, c'est pour sortir. Ok, il y a de la batterie, un casque. Il y a quoi d'autre? Ouais, ça fait plaisir. Ça, ouais. Un truc de cosmétique. Compte rendu d'expérience. Hop, hop, hop. Équité. Ils sont où? Oh, bah, bien. Allez, attaque spéciale. Deuxième attaque spéciale. Ah, ils sont en train de s'énerver là-dessus. Moi je les laisse s'énerver. C'est très bien ce qu'ils ont fait. C'est du beau boulot. Good job. Ça explose. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Pareil, maintenant on va s'occuper du deuxième étage. On s'était occupé du premier étage. Je veux dire du rez-de-chaussée, maintenant on va s'occuper de l'étage du haut du coup. On va voir s'il n'y a rien en hauteur, si j'aurais pas raté quelque chose, non. Donc on va s'occuper de la pièce, on va s'occuper de tous les cadavres, récupérer de la bonne viande. La viande, les tiroirs, on regarde s'il n'y a rien en dessous. Hop, il y avait un cadavre là, il y a un ordinateur. Ok. Oh! Et une arme. Ok. Oh, c'est quoi? C'est pas des... Non, c'est une boîte de conserve qui a été entamée et posée gentiment ici. Des cigarettes. Des cigarettes à vendre. Tout ça vend de toute façon. Ah, moi je deviendrai riche hein, avec tous les paquets de cigarettes que je trouve à force de les revendre. Je serai riche. Quand on pense que je suis parti avec rien. Oui, avant de cliquer sur les ordinateurs, on ramasse. Parce qu'après je vais cliquer sur les ordinateurs et je vais me barrer sans fouiller la pièce. Et peut-être rater des choses. Donc, tout fouiller avant. Ça, c'est très bien les crochets magnétiques. J'en aurai extrêmement besoin quand je vais retourner sur le deuxième lieu de Terra 2. Hop. Comment ça, je suis déjà trop lourd? Je vais voir l'équipe scientifique. Du coup, maintenir démantelé. Que j'ai fait, ajouter au rebut. Non, je voulais démanteler. Attends, voyons voir toutes les pièces d'armure que j'ai. D'armes. Ah, d'armure, j'en ai pas beaucoup.
Niveau 22, 26. Élite, défensif, élite. Et attends, attends. D'élite, allez, je vends. Je vends pas, j'enlève. Alors, on va placer quoi ça? Attribut manteau plus 1. Clope. On met au rebut. Patch à pic. Au rebut. Moins 50 au rebut. Au rebut. Comme ça, dès que j'irai tout vendre. Oh là. Normalement, tout ça, j'ai pas besoin de mettre de rebut. Là-dedans. Et là-dedans, c'est bon, j'ai plus rien à mettre en rebut. Je peux te voler des choses là? Parfait. Je vais t'aider, je vais t'aider. Je fouille juste la pièce, maquette d'un vaisseau. What? J'ai abattu les raies et puis j'ai monté l'escalier et j'assure en affaire. L'or. No, not. I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. C'est pas trop s'il connaissait le. Ugh, can't. It's like he thinks I'm a child. Vous êtes fâché que j'ai de. Que. Qui m'aide de... Please, that man doesn't have an altruistic bone in his body. I'd wager my last bit that if you brought back the precursors and left me for dead, Anton wouldn't bat an eye. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il a dit que ça donnerait une mauvaise image de lui s'il perdait d'autres employés. Donnez-moi alors. On va mettre vos théories à l'épreuve. Et si vous lui rapportez les précédents. Ouais, mais non. Oh, wonderful. That's much better. Très bien. Prenez soin de vous. Salut. Ah, je le sauve, le mec, il est pas content, quoi. Il a déjà disparu. J'ai à peine eu le temps de tourner la tête que le gars, il a déjà disparu. C'est un truc de dingue. Du coup, il y avait des ordinateurs à les pirater. Ouais. Bon, bah. Rien d'intéressant sur ce gars, peut-être plus de chance ici. Non, pas d'informations. Ah, quoique, il y a ça à prendre. On va faire un petit tri administratif dans nos affaires. Alors, de l'alcool, des cigarettes au rebut. Tout ce qui peut nuire à ma santé dans le jeu, puisque j'ai besoin de toute ma santé nécessaire. Pour pouvoir jouer. Déjà que mon joueur il commence à être fatigué. Là-dedans, je vais garder les armures, je vais mettre dans mon. Oh! Ça. Et ça, ça dégage. Ça, je vais démanteler. Du coup, tout ça, ça va finir au casier. Et si je les ai en double, je vais les démanteler pour me faire des pièces d'armes. Oh! J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Hop là! Allez, allons tout vendre. Il y a encore des trucs à ramasser, j'avais même pas fait gaffe. Du coup, faut que je voie si c'est bon pour la santé ou mauvais pour ma santé. Ah, ça doit être ça que j'ai ramassé. Bon, ça doit être bon. Ah non, sauf ça. Ça et ça, c'est pas bon. Allez, je vais vendre le rebut. Et c'est bon, on se tire. À moins que j'ai une mission à faire dans ce bâtiment, mais je pense pas. Éliminer l'or la loi. Ouais, récupérer l'arme scientifique, c'est pas ici. Récupérer le schéma. Vous avez le code d'accès de l'armurerie. C'est pas dans ce bâtiment. Parce que avant de quitter, c'est mieux de voir. S'occuper des expériences abandonnées. C'est ni dans ce bâtiment. Parler à Anton. Ça sera à faire plus tard, ça plus tard, recherche
récupérer recharge d'Anton. Et ça, ok, c'est pas ici tout court de toute façon. Trouver le capitaine Iron, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Et ça, c'est pas ici. Et la quête principale, acheter une clé. Bah, je peux pas tant que je fais pas toutes ces quêtes. Donc, on va faire ça, éliminer, éliminer. Et voilà.